Grand plaisir de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous d'actualité sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, l'actualité, l'état des sièges n'est pas un échec. Tous les petits problèmes liés à l'insécurité sont en train d'être résolus. C'est ce qu'a rapporté le gouverneur militaire de l'Ituri. J'ai cité Johnny Lubaya Kachama mardi lors d'un briefing de presse organisé à Kinshasa par le porte-parole du gouvernement central, Patrick Mouyaya. Les détails, c'est tout de suite avec Patrick Ngou. D'entrée de jeu, le lieutenant-général Johnny Lubaya Kachama n'a pas digéré le fait pour le prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege, de qualifier l'état de siège d'un échec. Dire que nous avons échoué, je crois que c'est quand même dur. C'est trop fort. Nous avons besoin de l'accompagnement. Et si le docteur Mukwege pouvait m'entendre, il n'a pas une autre armée que celle que nous avons. Nous, les militaires, nous l'aimons beaucoup. L'Ituri d'hier et d'aujourd'hui sont différentes car le rétablissement de l'autorité de l'État se porte bien. Nous avons deux petits problèmes. Nous les résolvons. Le chef est là. Il a fait le séminaire. Et nous continuons à arrêter les gens. Il y avait un non-État là-bas, là, à l'Ituri. Nous sommes en train de remettre l'autorité de l'État. Et je crois que c'est aussi un grand problème là-bas parce que les gens ne veulent pas que cet État revienne. Parmi les stratégies militaires mises en place pour combattre les forces négatives, c'est la coalition FIRDC-UPDF qui doit en principe arriver à terme fin mai. Mais la décision de poursuite ou non des opérations conjointes relève des chefs d'État de la RDC et de l'Ouganda, souligne Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Au bout des 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et le degré d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des deux états. Mise en place en Ituri au Nord Kivu depuis 2 mai 2021, l'état de siège est encore diversement apprécié par la classe sociopolitique. Ouverture hier mardi du forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais à Lubumbashi. Cette rencontre convoquée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi pour créer un rapprochement entre les ressortissants de l'espace Grand Katanga est jugée inopportune par Eddie Capen et qu'il a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi. Ania Kole nous en parle. Il s'agit d'une table ronde qui regroupe 200 participants de l'espace Grand Katanga. Initié par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba Mugalu, ce forum de réconciliation entre leaders katangais est une première depuis l'histoire contemporaine du Katanga. Les fils et les filles de cette province de la RDC se retrouvent définis de nouvelles bases de fraternité visant premièrement le développement de l'espace Grand Katanga dans son allocution. L'archevêque métropolitain souligne, je cite, « La foi de vous voir parmi nous est une immense et difficile à dissimuler. De voir toutes ces icônes du Katanga, ces personnalités, ces figures de proue qu'on n'a plus vues depuis longtemps. » Fin des citations. Mgr Fulgence a insisté sur la finalité de ces assises qui n'est pas liée à un but politique, mais plutôt pour servir les biens communs au profit de la dignité humaine et principalement du Katanga. Signalons que ce forum sur la réconciliation des leaders katangais ira du 17 au 19 mai prochain. Mgr Fulgence a prévu de s'impliquer un rapprochement entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Curieusement, cette démarche n'a pas été appréciée par Eddie Capen, originaire du Katanga, qui justifie la tenue de ces forums car, selon lui, il faut plutôt réfléchir aux stratégies visant à mettre fin à la guerre à l'est du pays, en lieu et place de procéder à une réconciliation à géométrie variable. Eddie Capen préconise plutôt une réconciliation entre les politiciens katangais et la population. On revient à Kinshasa où la population est notable de plusieurs quartiers de Kisesso était dans la rue. Hier mardi, à travers une marche pacifique allant de l'intendance jusqu'à la maison communale de cette municipalité, objectif, obtenir la reprise des travaux de la route Kisesso ravagée par des érosions qui engloutissent les maisons et parcelles environnantes. C'est un reportage de Fifi Kalumbwe.
D'abord en petit nombre, petit à petit, chemin faisant, l'effectif s'accroît. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous mobilisés comme un seul homme, accompagnés au rythme de la fanfare, ont manifesté leur indignation. Ces manifestants, animés par la colère de manque de route, une situation due à l'abandon des travaux, ne jurent que sur la reprise de ces travaux. Le ras-le-bol de la société civile de la commune de Kisenso est parti du fait de l'arrêt sans aucune explication claire de la construction de cette voie publique qui relie plusieurs quartiers de cette municipalité. Voilà pourquoi, en cette journée de la libération de la République démocratique du Congo, ces revendicateurs ont à leur tour cherché le voisin moyen pour libérer cette commune enclavée. Le numéro 1 de la commune de Kisenso, à qui on a remis le mémorandum, promet un soutien indéfectible à ses revendicateurs. Je reçois ces mémos de la société civile de Kisenso et je promets de transmettre ça à qui de droit. Vous pouvez compter sur ma loyauté. Il s'y est de noter que cette marche a été encadrée par la police congolaise. Aucun incident donc n'a été signalé. Sur place, à la maison communale, point de chute de cette marche pacifique, ces manifestants ont déposé un mémorandum à la commune et promettent d'écorcer leur mouvement au cas où leurs désiderata ne sont pas pris en compte. Attendons voir ce qui nous réserve l'avenir. Les cris de détresse de la population de Kisenso dans ce reportage de Fifi Kalumbwe. Ouvrons rapidement le chapitre sport. Sachez que le Congolais Martin Bakole, vainqueur du combat contre Tony Oka, arrive ce soir à Kinshasa pour célébrer sa victoire avec toute la population congolaise avant d'être reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. C'est au cours d'une vidéo enregistrée à Paris qu'il a lui-même annoncé son arrivée dans la capitale. Après son succès le samedi dernier face au boxeur français Tony Oka, je cite, le Congolais Martin Bakole a annoncé son retour au pays, une façon pour lui de fêter cette victoire avec le peuple congolais. Nalinga qui n'a informé Bino qu'on a descendu Nangaï na Kinshasa lobby à partir de 19h30. Je vous informe de ma descente à Kinshasa ce mercredi à 19h30 pour célébrer notre victoire de samedi passé contre Tony Oka. J'en profite pour remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi Fatshi Béton et tous ceux qui m'ont soutenu avant et après le combat. Et puis, na batunyo surtout oyo ba soutenir kingai na avant combat et après combat. Sur invitation du ministère des Sports, les Congolais sont déterminés à recevoir ce soir à l'aéroport international d'Ndjili l'air d'une fils du pays qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo, signalant que Martin Bakole sera reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Toujours en sport, l'AFDECO était en réunion hier mardi pour évaluer la reprise du championnat national tel qu'annoncé par la Ligue nationale de football. Une reprise très inquiétante à 20% selon les dirigeants des clubs de football congolais, vu que certaines questions méritent éclaircissement, notamment celles liées à la technique et à la logistique. On écoute rapidement son secrétaire général Guy Mafuto au micro de votre rédaction. La réunion d'aujourd'hui est une suite de celle qu'on avait amorcée il y a de cela quelques semaines. À Béatrice, vous vous souvenez, la DEFCO s'était réunie pour donner suite à l'arrêt au championnat. Et la résolution était simple, celle de rencontrer les organes, tous ceux qui interviennent dans le secteur, notamment la LINAFOOT, la FECOFA et le ministère.
Vous nous aviez accompagnés tous, nous avions tour à tour été reçus par ces différents partenaires. La dernière réunion la plus importante est celle qui était organisée au ministère, avec le ministre lui-même, la DEFCO, l'INAFOOT et la FECOFA. Et là, il était question que le gouvernement disponibilise les fonds pour que nous puissions reprendre le championnat, du moins dans sa phase aller qui devait se terminer. Vous l'avez suivi par la voie des ondes, déjà le 10 passé, le gouvernement a donné les moyens nécessaires pour que le championnat puisse se reprendre. Il était indiqué pour nous, comité de la DEFCO, d'avoir une séance de restitution avec nos membres pour leur donner un peu le contenu de la démarche que nous avions menée tout ce temps et dire où nous en sommes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par l'INAFOOT, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement, certaines questions qui peuvent relever de technique, de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec l'INAFOOT pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Vous l'avez certainement remarqué, la présence de maître Malou Amini Cléophase, président du comité sportif du FC Renaissance du Congo. C'est l'heure des journaux. Place à présent à la revue de presse avec Patrick Ngouo qui me rejoint sur ce plateau. Ce n'est pas chaque jour qu'on a son chef, son responsable de rédaction sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Lionel Ngouo. On va commencer avec la prospérité qui titre Patrick « Affaire Boukangalonzo qui n'est pas fini ». Moi ça me surprend de voir encore ce titre. Matata rejette les accusations, l'IGF revient à charge. Justement, alors que la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente, le feuilleton Boukangalonzo est apparemment loin d'atteindre son exutoire. Dans le verdict rendu tirant la couverture de son côté, Matata Ponyo, l'ex-premier ministre devenu leader du LGD et autoproclamé candidat à la présidentielle de 2023, continue à rejeter en bloc toutes les accusations portées contre lui pendant que Jules Alinguété, engageant l'IGF, revient plutôt à charge et dit n'avoir aucune excuse à présenter tant qu'il reste convaincu que l'analyse de ce dossier, quant au fond, ne pourrait que confirmer la responsabilité personnellement pleine et entière de cet ancien Premier ministre dans la débâcle enregistrée au niveau de l'investissement de plus de 287 millions de dollars américains effectués pour la réalisation du parc agro-industriel de Boukangalonzo sur le versant est reliant Kinshasa, la capitale de l'ex-province de Bandundu. Voilà, il y a Matata Ponyo qui est annoncé à la présidence 2023. Il y a son parti politique qui a vu le jour officiellement, mais l'IGF aussi est toujours derrière, Patrick. Justement, derrière, pour tirer les choses au clair. Allez, on va poursuivre cette revue des presse avec La République. Forum entre Katangé, difficile tâche pour Monseigneur Mouteba. En tout cas, le prélat catholique devrait certainement se consoler d'avoir réussi à réunir les poids lourds de cet espace, notamment Moïse Katumbi, Jeannette Kabila, Lunda Bouloulou, lors de la séance d'ouverture, mais aussi les ministres Christian Mwandounsimba, Serge Kondé, Chembo Augustin Kivasa, les élus nationaux dont Manu Mbemba et Banga, Fofo Kosi et Augustin Karosi Malisawa, ainsi que des notables de la région du Katanga, dont Jean-Claude Muyambo, des associations socioculturelles, des mouvements des jeunes et des femmes. Preuve que les Katangais souscrivent à la démarche dont l'issue souhaitée est celle de cette effective réconciliation au-dessus des clivages politiques et autres. C'est à ce stade justement que l'on voudrait du solide plutôt que du superficiel. D'aucuns voudraient vivre une séance genre vérité et réconciliation. À quel gain devrait-on s'attendre si des consciences chargées n'arrivent pas à reconnaître leur forfait et à s'incliner devant la repentance, s'interroge le journal.
On va terminer cette revue de presse par une page noire, comme le titre le journal Vrai Modérateur, le décès de l'ambassadeur après sa nomination. Il s'agit de Didier Kankou, nommé le 16 mai, par ordonnance présidentielle, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la République de Serbie. Il est décédé mardi donc, 17 mai 2022. Les raisons de cette mort brusque ne sont pas encore révélées, mais plusieurs de ses proches confirment cette information. Je ne serai pas honnête si je ne reconnais pas votre belle sélection et belle lecture, Patrick Ngo. Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Merci. C'est la fin de ce bulletin d'information sur FM Télévision. Je ne peux que vous souhaiter santé et portez-vous bien.